Tous, 8e édition de la fiction télé à Saint-Tropez. 3e invité du jour, j'ai la chance, j'insiste bien, je dis j'ai la chance de recevoir un type qu'on ne présente plus en fait. C'est Manuel Poirier. Manuel, bonjour. Bonjour. Alors bon, Manuel, on va parler de ton actualité et la raison de ta présence ici, mais évidemment, je pense que beaucoup se souviennent du fabuleux western de 96 avec Sergi Lopez. La critique en a beaucoup parlé, ça a été primé. Voilà, c'était juste pour la présentation un peu sommaire. Manuel, première question, qu'est-ce qui nous vaut ta présence à Saint-Tropez cette année? Ben c'est tout ça. En fait, j'ai fait un film pour la télévision que j'ai tourné l'été dernier, et ben il se trouve que ce film a été sélectionné là. Dans la sélection officielle actuellement à Saint-Tropez, donc voilà, je suis venu ici avec les comédiens. Le titre ? Le sang des fraises. Compétition donc ? Compétition officielle, ouais. On n'a pas de date de diffusion ? Non, pas encore, on ne m'a pas dit la date, je ne suis même pas sûr qu'eux la connaissent, quoi. Donc je ne sais pas du tout quand ça va être diffusé. Quand on vient du cinéma, comment on passe à la télé ? Bah en fait c'est assez sur le cas personnel, la façon dont ça s'est passé, j'ai eu un scénario que m'a fait transmettre une scénariste. C'était le premier scénario qu'elle écrivait. Elle avait déjà la productrice. Voilà, et c'est un scénario qui était lié à son histoire personnelle, et elle avait extrêmement envie que ce soit moi qui le réalise. Et voilà, moi j'ai eu un attachement pour le scénario que j'ai trouvé de grande qualité. Et voilà, et puis c'est tombé dans une période où je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un film pour la télévision. Et voilà, mais c'est plus l'attrait d'un scénario et d'un film que de me poser tout de suite la problématique, est-ce que je fais de la télévision ou du cinéma. Même si ce film, c'est ce qu'on appelle un téléfilm, moi, pour moi, ça reste un film à part entière que je peux revendiquer comme les autres, dans la mesure où j'ai pas eu de casting imposé, que c'est pas d'équipe imposée non plus, c'est moi qui ai constitué l'équipe. Donc une grande liberté d'action et de réalisation. Donc dans ce sens-là, bah voilà, ça reste un film, en sachant qu'effectivement la principale différence, c'est la diffusion, c'est la finalité. Au cinéma, on sait qu'on va aller dans les salles de cinéma, et bah la télévision, ça va être une diffusion télé, quoi. En sachant qu'il y a aussi d'autres diffusions, c'est pour ça que je suis très content d'être là, parce que le film peut être vu d'une autre manière que à la télévision, quoi. C'est de faire un film et d'avoir juste la diffusion télé, il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu frustrant. Et là, le fait de faire vivre le film à l'intérieur même d'un festival, c'est plus que plaisant, quoi. Le fait que ce soit un unitaire t'a peut-être permis d'éviter ce que j'ai envie d'appeler la castration du politiquement correct. Puisque si on regarde les téléfilms en France, le paysage un peu du téléfilm, donc, ou les séries ou les feuilletons, est-ce que toi, t'aurais pu te mouler dans ce type de travail très particulier où on a des quotas à respecter, il faut bien le dire, où on a des scénarios qui sont extrêmement policés? Est-ce que toi, tu aurais pu faire ce travail-là? Sincèrement, je crois pas, mais je sais pas si je peux faire un non catégorique de façon générale. À travers tous les scénarios, effectivement, quand un scénario est développé à l'intérieur d'une chaîne, forcément, c'est ce que tu viens de dire, ça réunit certains critères. Moi, après, c'est de lire effectivement le scénario et de voir ce qu'il en ressort. Mais c'est sûr que pour moi, j'entends, donc je détiens pas la vérité, mais pour moi, la réalisation d'un film, comme c'est l'investissement dans un temps, dans un lieu qui va donner un film à l'arrivée, et que si tout est déjà très compartimenté, que c'est déjà, entre guillemets, formaté, pour moi, mon travail perd de son sens. Enfin, la manière dont je l'imagine et dont j'ai envie de le faire, j'ai pas envie d'être quadrillé, enfermé, formaté, j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine latitude dans ta réalisation aussi, je suppose, particulièrement avec les comédiens, on va y revenir. Donc tu n'es pas sans savoir qu'on s'adresse aux comédiens, je voulais savoir quel est le rapport que tu tentes d'installer toi avec un comédien sur un plateau. Enfin, on va commencer dès le départ en fait. Au niveau des auditions, comment ça se passe quand un comédien, un jeune comédien arrive chez toi? Comment tu les fais travailler? Comment tu essayes de les tester ou de les voir? Bah moi de toute façon, il y a quelque chose, ça c'est ma manière de procéder, je suis très attaché à la... Moi, quand je rencontre un comédien, je rencontre d'abord une personne. Et je suis pas dans un schéma professionnel en train de me dire, moi, je suis réalisateur, je rencontre un comédien. Un comédien, c'est quelqu'un. Et même pour la distribution des rôles, je prends toujours en compte la personnalité de chacun, ou en tout cas ma manière à moi de voir la personne que j'ai en face de moi. Et à partir de cette personne, le travail peut en fait commencer, la notion de jeu, voilà, après savoir qu'est-ce que c'est le jeu, mais le jeu c'est aussi une façon d'utiliser ce que l'on est, de le transposer d'une autre manière. Je crois beaucoup moi au fait de, quand je fais des films sur la notion de jeu, j'ai plus envie de tenter que les comédiens incarnent le rôle plus qu'ils ne le jouent, c'est-à-dire pour moi le fait d'incarner un rôle, ça veut dire c'est de
d'être dedans pour ne pas forcément être conscient à 100% de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le jeu technique qui consisterait à avoir une distance et une maîtrise de tout, de chaque geste, de chaque mot, etc., c'est pas ce qui m'intéresse. Même moi, au niveau du cinéma que je fais, je suis plus sur un travail de spontanéité. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, je fais pas de répétition. Très souvent sur la manière de tourner, par exemple, ça m'arrive des fois de ne faire qu'une seule prise. Donc tout le monde sait qu'il y a un enjeu. Quand il y a une seule prise, on ne va pas se dire, tiens, si elle n'est pas très réussie, on va faire une deuxième et tout ça. C'est un péril qui reste dans le domaine du film, mais c'est un péril qui fait sortir des choses qui sont plus aussi de l'ordre de l'instinct, d'essayer aussi, à un moment donné, d'oublier, c'est-à-dire... le personnage est triste, je prends un schéma comme ça, de rechercher à être dans cet état, plutôt que de se dire comment est-ce que je vais être pour paraître triste et que ça va rendre bien, qu'on va se rendre compte que je suis triste. Plutôt que de toute cette réflexion se mettre en route, je préfère être plus sur la spontanéité. Et c'est pour ça qu'avec ce travail-là, j'ai besoin, quand je choisis un comédien ou une comédienne, de me dire, tiens, là, je sens dans la personnalité d'un tel ou d'un tel, il y a une sorte de fragilité, ou il y a une sorte de distance par rapport à la vie, ou une implication, ou un affect qui déborde vachement. Mais en même temps, c'est un regard, parce que je peux pas déceler tout le monde, mais la façon déjà, si je pressens quelque chose chez quelqu'un, donc dans la personne, je sais qu'à ce moment-là peut démarrer un travail avec le comédien ou la comédienne. Est-ce que ça veut dire que tu ne te fies pas à ce que on dit souvent des acteurs qu'ils ont des emplois. Est-ce que tu fais partie de ces très rares réalisateurs qui se fichent complètement d'un visage, je veux dire de l'étiquette d'un visage, de l'emploi qu'on donne à un visage? Je m'en fiche parce que je suis pas, ma réflexion elle est pas sur des rails. Comme je suis très instinctif, c'est vrai qu'il y a des sortes de catalogues, il y a des comédiens qui vont faire plus ça, qui sont catalogués là, ou certaines comédiennes de la même manière. Après on appelle ça des contre-emplois, mais en fait c'est quoi un contre-emploi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tout le temps fait le même registre, et puis que d'un seul coup il va passer... Non, par définition, un comédien, c'est un peu comme nous dans la vie, c'est-à-dire qu'on n'est jamais d'un seul bloc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut paraître fragile, audacieux, timide, il y a plein de choses qui peuvent s'exprimer en nous. En nous, on pourrait dire qu'on a tous une palette incroyable de sentiments et d'émotions. Après, dans le jeu, on fait sortir ça ou ça, et je trouve toujours dommage de cataloguer quelqu'un. Donc c'est vrai que moi, je peux voir quelqu'un et déceler une sorte de fragilité chez la personne. Je me dis, si je la sens et si je la vois, je vais peut-être la mettre en avant, après, au niveau de la mise en scène. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours, même entre les... Par exemple, on parlait du western, tu parlais du western tout à l'heure. C'est vrai que western, c'était quoi? L'idée, c'était... d'avoir dans le film deux personnages qui deviennent amis, vraiment amis quoi. Bon, ici je crois en la personnalité de Sergi Lopez qui était un des deux rôles et puis Sacha Bourdeau qui était le deuxième rôle. Si je crois dans leur personnalité, que je sens qu'il peut y avoir un rapport d'amitié par exemple entre moi et eux, je sens que déjà il y a une sorte de cohérence sur la manière de choisir. Et puis de me dire que si moi je peux, il y a un lien entre chacun d'eux et moi, peut-être il y en aura un entre eux. Et en fait au fur et à mesure que le film a avancé, eux, ils ont réellement créé des liens d'amitié, mais dans la vie, on est en train de faire le film, mais forcément, s'ils sont dans la vie, qu'il y a un lien d'amitié qui se met en place, d'une certaine manière, c'est dans le film aussi ça. Ça, il n'y a pas besoin de le jouer, puisque la façon dont les gens se regardent, s'ils s'aiment bien, qu'ils s'estiment, ils ne vont pas le jouer, ils vont le ressentir ça. Et j'adore, moi, de tout ce qui est de cet ordre-là, et c'est vrai que la mise en scène, moi que je fais, tend à pousser un tel et un tel dans ce sens-là, quoi. C'est plus une mise en ambiance... que des directives, on va dire, plutôt techniques. Ce qui n'empêche pas forcément, à un moment donné, il y a des donnes un peu techniques, mais c'est vrai que sa façon de jouer, c'est pareil, il n'y a pas de marque au sol. J'aime bien donner un espace de liberté, mais qui est bien délimité, pour que le jeu puisse se faire... Je pense qu'un comédien, par exemple, encore une fois, c'est mon point de vue, mais la grande expression que peut avoir un comédien, c'est de lui donner un périmètre très précis de jeu, et de dire à l'intérieur de ce périmètre très précis et pas très grand, qu'il ait une vraie liberté. Je pense que là, des fois, dans des endroits tout petits, dans des espaces tout petits, on peut avoir une immense liberté. Mais si je dis à un comédien, je le mets au milieu du désert, je dis tu vas où tu veux et tu fais ce que tu veux, là c'est plus de la liberté, c'est de la perdition en fait, parce que la liberté c'est par rapport à des lignes qu'on passe ou qu'on ne passe pas. Pour moi c'est ça la notion de liberté dans le jeu. Et sinon, mais
pareil, sur le sens de l'improvisation, forcément une improvisation, ça doit démarrer sur quelque chose d'assez précis. Après, toute la précision peut voler en éclats, mais c'est juste la base. Et voilà, donc moi je suis très attaché à cette base-là, quoi. Et c'est pareil après, bah, sur la notion de casting, de choisir qui va convenir. Tu travailles avec des directeurs de casting ? J'ai jamais travaillé avec un directeur de casting, jamais. Et pas parce que j'aime pas les directeurs de casting, il y en a d'excellents, et c'est, voilà, donc c'est une des professions essentielles du cinéma. Sauf que bah voilà, le lien que j'ai au film, j'ai envie déjà d'établir ce premier lien direct. Voilà, donc après la recherche, moi je sais que la recherche des comédiens sur mes films se fait de façon assez anarchique, enfin c'est un peu du vrac, c'est-à-dire que ça peut être très traditionnel, où je demande au premier assistant de voir un peu par rapport à une recherche de rôle, qu'est-ce qu'il y a chez les agents, donc ça c'est assez traditionnel. Après ça peut être la petite annonce, après ça peut être de faire circuler un bruit, de laisser ouvert à tout le monde, des gens professionnels ou pas professionnels selon le rôle. Donc tout ça se dégage, se développe, je suis ouvert à toutes les possibilités, toutes les idées, ensuite je rencontre les gens et puis à un moment donné je pose une décision sur quelqu'un et voilà quoi. Super, Manuel, merci beaucoup. Merci.